le constat, et je le dis souvent, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout de ce déficit du commerce extérieur qui coûte 100 milliards d'euros actuellement à la France. Il faut absolument réagir. Et réagir, c'est possible aujourd'hui parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire. Tout le réseau des CCI est mobilisé pour accompagner les ETI et les PMI dans la réindustrialisation. Il y a effectivement des piliers qui sont très importants à ne pas oublier. On a effectivement la formation, on a l'innovation, on a la transition écologique et la transition numérique. Il y a une véritable ouverture là-dessus. Et maintenant, il faut décliner et accompagner les entreprises pour pouvoir décliner cette initiative sur les territoires. Et c'est là qu'interviennent les chambres de commerce et l'industrie. On est très mobilisés pour aider à stimuler, à structurer la filière hydrogène sur le territoire national. On les accompagne énormément. On a signé une convention de partenariat avec France Hydrogène. Et dans le cadre aussi de notre outil qui s'appelle CCI Business, nous avons créé une communauté de l'hydrogène justement qui permet de mettre en relation des offreurs et des donneurs d'ordre. Et tout ce système permet justement de mettre en place et de stimuler la filière hydrogène à travers tout le territoire. Dans les chambres de commerce, il y a le I d'industrie. Ça veut dire que ça fait partie des grandes missions de nos chambres de commerce que d'accompagner les entreprises industrielles au plus près des territoires. Et bien sûr, pour répondre aux grands besoins que nous avons en France, en Europe et au niveau mondial, d'une industrie forte.